Yo les gens, c'est Razan, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de ma série Go to the MOAB. Donc avant toute chose, vous avez sûrement remarqué l'intro de Code CF. Voilà, donc Code CF, ce serait vraiment un rêve de pouvoir passer sur cette chaîne. Mais bon, c'est un bon gameplay, c'est un gameplay à la M60. Et une MOAB à la M60, donc peut-être qu'elle est réalisée, peut-être qu'elle n'est pas réalisée, peut-être que ça sera un fail. Mais en tout cas, un très bon gameplay comme ça, une bonne tentative MOAB avec cette arme, bah, c'est plutôt rare. Je pense pas qu'il y ait ce genre de gameplay tous les jours sur Code CF. Donc voilà, je tente ma chance et puis on verra bien. De toute façon, j'ai rien à perdre, j'ai juste à gagner, donc on va tenter notre chance. Et voilà, donc petite parenthèse finie. Voilà, donc on va pouvoir commencer à parler de cette M60. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer ma classe. Rien de bien nouveau, hein. J'ai toujours tour de passe-passe, j'ai toujours assassin et j'ai toujours, je crois que c'était visée solide à confirmer, je crois que c'était visée solide. Et au niveau des atouts spécialistes, donc j'ai détermination, bonne gâchette, pierre, donc ça vous avez l'habitude, hein, je joue toujours avec ça. Ou alors j'inverse détermination et assassin. Donc ça dépend des jours, tout simplement. Et ensuite au niveau de cette M60, donc j'utilise avec un silencieux et je crois le chargeur Grand Cap. Je crois, hein, je suis pas sûr. J'ai peur de dire une bêtise, non, je crois que c'est vraiment ça. Ou alors si c'était pas chargeur Grand Cap, je crois que c'était avec simplement vitesse comme compétence. Et du coup j'étais avec silencieux comme accessoire. Voilà, donc on va commencer. Non, je crois que je suis avec... Non, c'est parce que j'ai tous mes atouts que je vois en version tireur d'élite. Et donc on est sur la map village, donc je vous ai déjà proposé un gameplay sur la map village, mais celui-ci n'est pas totalement différent vu que je vais occuper la même zone que lors de ma MOAB à la type 95. Vous allez voir que il va y avoir quelques séquences chaudes, donc quelques moments où je vais un petit peu paniquer, où je vais devoir enchaîner plusieurs ennemis à la fois, et d'autres séquences où je vais être plutôt tranquille. Où je vais essayer de tuer mes ennemis comme ça, tranquillement, sans me faire repérer. Donc vous allez voir. Aussi, hein, une petite chose que je tiens à préciser lors de ce gameplay, c'est que je me suis fait toucher vraiment 5 fois maximum, quoi. 5 balles je me suis pris pendant la partie. Donc c'est vrai que c'est plutôt rare, hein, que je me fasse pas du tout tuer, enfin en tout cas pas du tout toucher dans la partie. Mais c'est vrai que c'est une partie où... Bah, je vais pas être touché beaucoup de fois, donc ça veut dire que mon déplacement était le bon, que j'ai pas pris beaucoup de risques et que mes déplacements étaient judicieux. Voilà, donc évidemment ça sera pas une MOAB je vais pas rusher énormément lors de ce gameplay, mais je pense que vous pouvez comprendre tout simplement qu'une MOAB à la M60, bah, déjà c'est une arme qui est très très lente, du coup ça ne favorise pas le rush. Et ensuite la M60 par rapport aux armes comme les mitraillettes, j'ai vraiment pas l'avantage. Et contre une MP16, une PP90 ou n'importe quelle arme, même une PM9 ou une P90, bah, j'ai tout simplement pas l'avantage. Donc c'est pour ça que j'ai évité le corps à corps. Et j'ai essayé de contourner un maximum mes adversaires pour les avoir beaucoup plus facilement. Et pour qu'ils ne puissent pas rivaliser avec moi. Donc voilà, donc c'est un choix que j'ai fait. Après, évidemment, c'est moins bien à regarder une MOAB comme ça qu'une MOAB en rushant. Mais les MOAB en rushant, je pense pas que je vais les proposer dans les épisodes Go to the MOAB. Simplement parce que les MOAB en rushant, c'est souvent avec des armes pas très difficiles d'utilisation. Donc comme la P90, comme je sais pas moi, la MP7, la CR, la SCAR-L, c'est vraiment... Ça va être des MOAB vraiment je vais rusher énormément. Et du coup, ça sera sûrement lors du gameplay où j'ai quelque chose à vous dire, quelques petites informations, enfin vous verrez. Et puis voilà, dans les épisodes Go to the MOAB, vous allez avoir des gameplays, donc des MOAB ou des fail MOAB. Ça sera pas de la camp, hein, loin de là. Ceux qui me disent que lors de ces gameplays je campe, là faut tout simplement réviser votre définition de camp, car je suis extrêmement mobile, hein. Je bouge énormément. Après, effectivement, je prends pas de risques. C'est-à-dire que je bouge énormément, mais tout en assurant mes arrières, tout en assurant mes kills. C'est pour ça que je vais pas me faire toucher beaucoup de fois. Et j'ai plutôt attendre les ennemis qu'aller vers eux en face. Donc voilà.
Voilà, donc au niveau de ce petit point, voilà, c'est fini. Ensuite, alors la M60. Donc, tout simplement, on parlait de la M60, qui est une arme, déjà une grosse arme. Donc, c'est vraiment une grosse sulfateuse. C'est une arme, franchement, j'ai pas vraiment galéré hein, à faire cet MOAB avec. J'ai pas vraiment galéré parce que, au niveau cadence de tir, au niveau puissance, au niveau précision, elle est redoutable. Hein. Elle ne rivalise pas avec les fusils d'assaut ou les mitraillettes, mais pour moi, c'est quand même l'arme la plus facile d'utilisation des fusils mitrailleurs. Donc vous allez voir que j'ai que 2-3 balles suffisent à courte portée et que 4-5 balles sont nécessaires à longue et moyenne portée. Mais là vous allez voir que je vais prendre un petit risque, j'allais en plein milieu de la map tout simplement parce que j'ai manqué de munitions. Du coup bah, je devais aller récupérer les munitions. Là vous voyez que j'ai failli me faire tuer par l'ennemi puisque j'étais vraiment pas. Enfin je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit là. Oui, donc cette M60, elle ne rivalise pas du tout avec les fusils d'assaut et les mitraillettes. Donc c'est pour cela que je peux vous la conseiller pour faire un défi. Si vous avez envie de changer d'arme, si vous en avez marre des fusils d'assaut, des mitraillettes ou d'autres choses, et ben, je vous la conseille tout simplement parce que c'est une arme vraiment très très bien. C'est une bonne arme hein, pour un fusil mitrailleur. Je prends beaucoup de plaisir à la jouer et parfois il m'arrive de jouer avec, même si. Même sans tenter quelque chose, tout simplement parce que voilà, c'est une arme qui est peut-être redoutable malgré sa faible mobilité vu qu'elle est très très lourde et aussi malgré son viseur. Déjà, son viseur n'est vraiment pas très pratique. Son viseur, il n'est pas franchement une réussite. Hein. Il y a des viseurs qui sont largement mieux. Comme celui de la PKP, moi c'est vraiment un coup de cœur au niveau du viseur. Enfin bon, j'en parlerai quand ça sera le Go to the MOAB spécial PKP. Et puis voilà, donc le gameplay va bientôt toucher à sa fin. Là vous voyez que c'est vraiment un moment chaud. J'enchaîne 3 ennemis à la suite, dont un drop shot derrière moi. Donc je ne serais pas retourné, bah, je me serais fait killer et ça m'aurait pété la série à 1 ou 2 de la MOAB. Donc je vous avoue que j'aurais vraiment ragé. Voilà, donc le gameplay touche à sa fin. Donc c'était vraiment un court gameplay aujourd'hui. Parce que je me suis dit que de gameplay de 8 minutes, bah, ça faisait trop. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, vous allez voir que j'obtiens la MOAB. Voilà, donc c'était un petit peu tout fou. Voilà. Donc je vais la lancer. Avant, je vais essayer de terminer cet ennemi-là à la MP9. Et puis voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, je vous dis, prenez soin de vous. Ciao à tous. Et la petite multi-kill qui fait plaisir. Voilà. Et je tue en plus un mastodonte. Voilà, allez, ciao à tous, en espérant vraiment que cette vidéo sera upload sur la chaîne Code CF. Voilà, allez, merci à tous.